Pour la première fois depuis son investiture en janvier 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prépare son tout premier déplacement à l'intérieur du pays. C'est par la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, que le chef de l'État va effectuer sa mission de travail avec au programme deux principales activités. D'abord, la réunion sécuritaire et ensuite, une séance de travail sur les fonctionnements du poste frontalier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. À Lubumbashi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va présider la réunion du Conseil supérieur de la défense avec des hauts responsables de défense et de sécurité civile et militaire. En sa qualité de commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le chef de l'État va faire l'état des lieux de la question sécuritaire dans la province du Haut-Katanga et particulièrement dans la ville de Lubumbashi, en proie à une insécurité grandissante. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne manquera pas de prendre des mesures appropriées en vue de mettre un terme à cette situation très préoccupante. Cette même réunion sécuritaire pourrait se poursuivre dans une autre province du pays, selon des sources protocolaires. Le président de la République va aussi réunir autour de lui tous les responsables du gouvernement concernés par les fonctionnements du poste frontalier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. Depuis quelques temps, les opérateurs économiques dénoncent les dysfonctionnements provoqués par des longues files d'attente, des gros véhicules ainsi que de nombreuses tracasseries. Là également, des mesures idoines sont attendues de la part du chef de l'État. Le Premier ministre, les ministres et les responsables des régies financières sont attendus ici dans la ville de Lubumbashi. Pour la première fois depuis son investiture en janvier 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prépare son tout premier déplacement à l'intérieur du pays. C'est par la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, que le chef de l'État va effectuer sa mission de travail avec au programme deux principales activités. D'abord, la réunion sécuritaire et ensuite, une séance de travail sur les fonctionnements du poste frontalier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. À Lubumbashi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va présider la réunion du Conseil supérieur de la défense avec des hauts responsables de défense et de sécurité civile et militaire. En sa qualité de commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le chef de l'État va faire les